Et donnez votre vie à Jésus. Alléluia. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte, mon bien-aimé. Répondez-vous, car les temps sont finis. Tu ne voulais pas les jours de ta mort. Attends, il est patient. Il veut à la réparation.
Jésus-Christ appelle.
mon frère. Reviens, ma sœur. Monsieur, Jésus vous aime. Jésus-Christ t'appelle. Reviens, mon frère. Viens, mon frère. Reviens, ma sœur. Jésus-Christ t'appelle. Connaissez Jésus. Lui-même, il vous aime. Il vous aime beaucoup plus. Oui, voilà pourquoi nous sommes encore venus vous encourager à le suivre, à donner sa vie. Vous avez donné votre vie à Jésus. Si vous voulez, vous l'avez donné votre vie. Jésus, c'est un prophète. Nous, on est des musulmans. Oui, on croit que au Mohammed, on croit aussi au Jésus et tous les prophètes. Mais Jésus-Christ, il est aussi Dieu. Il est tout pour nous. Non, il n'est pas Dieu. Ah, Jésus est tout pour nous. Il est notre créateur, il est notre prophète, il est notre père, il est notre époux. Il est tout pour nous, Jésus. Il est mort à la croix pour nous. C'est lui qui est venu pour nous sauver. Et il est ressuscité. Voilà. Il est ressuscité afin que nous ayons la vie. Vous savez, Mohamed, toutes ces autres personnes, eux, ils sont morts, mais ils ne sont jamais ressuscités. Il y a que Jésus seul qui est sorti du tombeau. Et il faut revenir la vie. Voilà la différence. Voilà ce que j'appelle à la recherche en tant que chrétien. Si nous sommes réellement chrétiens, vous le savez. Parce que Jésus a dit, remontez-vous dans le monde, je serai proche. Donc, si nous sommes chrétiens, vous avez une Bible, vous la lisez la Bible. De temps en temps. Oui. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Vous avez lu la partie des femmes lorsque la vie est là? Non, je n'ai pas dit. Ah oui, vous savez que si vous, la parole que je lui dis, venez à moi, vous êtes chargé et fatigué. Jésus a dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. N'est-ce pas? Donc vous avez beaucoup de soucis. Allez-y au pied de l'Éternel. Dis Seigneur, j'en ai tellement, ça pèse. Venez tous déposer au Jésus. Oui, et de là, vous n'allez pas faire. Mais il a dit que vous venez sans moi, mon joug qui est doux et mon fardeau est léger. Si vous reposez, non. Et il prendra soin du reste, mais vous focalisez-vous avec votre relation avec le Seigneur. Je sais pas si il regarde. Ben, il vous aime, hein, Jésus. Ça un peu. Ça personne ne voit ça. Vous croyez en qui alors? Ah bon? Vous ne croyez pas en Dieu? Vous savez pas que Dieu existe? Qui est vivant? Vous ne croyez pas? Qui vous donne la respiration? Ma force veut se réveiller. Vous pensez que c'est vous-même? Ou il y a un Dieu qui vous réveille? Ah bon? Parce que ça va travailler votre conscience. Voilà comme vous voulez qu'on parle. Ça va vous pousser à réfléchir, à vous questionner. Voilà quoi vous voulez fuir le débat. C'est un débat trop compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est nous les hommes qui sommes compliqués. Mais Jésus, lui, il est. C'est pour ça qu'on pense que c'est comme ça. Ouais. Ben, je me laisse quand même aller lire comme ça après. Oui. D'accord. À plus tard. Quelle journée. Bye bye. Bonne journée. Ah, Philippe, en plus, c'est dans la Bible, hein? Vous voyez des noms chrétiens. Alors que Dieu nous a dit de pratiquer, parce que voilà. Si tu ne pratiques pas, tu peux pas rentrer. Tu pars en enfer. Voilà. C'est l'enfer total. C'est ce qui veut dire que toi là, tu vas comme ton frère il fait, tu vas pas le copier. Voilà. Parce que le salut pour rentrer dans le royaume, c'est personnel. Dieu, c'est personnel. Ouais. Donc on ne va pas copier les autres, même si les autres le font. Et quand tu connais la parole, tu sais que Dieu a dit d'obéir. Il faut obéir, il ne faut pas copier les autres. C'est ça. Parce pour ton bien à toi-même. Bien vrai, nous-mêmes, nous qui te parlons, on est passé par là. C'est à un moment donné, il faut qu'on prenne conscience de notre vie. On sait que quand on va quitter cette terre, il y a un endroit où on va atterrir. C'est l'enfer. Voilà pourquoi vous voyez sur le message, il y a deux chemins. Oui, nous avons toujours deux chemins, voilà, voilà, devant nous. Mais Dieu nous conseille. Au paradis. Voilà. Voilà. Donc, il faut choisir. Il faut faire le bon choix, alors, hein, mon frère. Le bon choix, c'est le paradis, n'est-ce pas? Il est où, le bon choix? Il est où? Montrez-moi.
Je ne sais pas. C'est écrit là. Il est où le bon choix? Voilà. Le paradis. Voilà. C'est ce que le Seigneur. Donc, on se débarrasse de tout ce qui va nous détruire. Vous savez, même le monde dit que ça rend malade. On ne peut même pas rentrer là où il est. Parce que tous ceux qui font désobéissance, qui s'opposent à Dieu, c'est Satan qui les récupère. Voilà. Voilà. Alors que quand il te récupère là, il va te maltraiter sur cette terre, il te récupère après ta mort. Ça, c'est encore pire. C'est ça. C'est que c'est le feu éternel. Tu vas brûler éternellement. Alors que Dieu ne veut pas ça pour nous. Il veut la vie. Il veut qu'on reste avec lui dans la louange, dans l'adoration. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. 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 Je veux abandonner. Aide-moi. Parce que toi-même, tu ne peux pas t'aider. C'est Dieu seulement qui peut t'aider. Oui. Donc, si tu vois que tu as la volonté, il faut prier. Dis, aide-moi, je veux laisser. Tu vas voir, il va te donner le dégoût. Le dégoût, le dégoût, le dégoût. Et voilà. Tu n'auras même plus envie de fumer. Et petit à petit. Le Seigneur Jésus vous aime beaucoup. Par la grâce. Voilà. Non, pas tout le monde. Moi, je fume pas. Faut pas dire tout le monde. Non, tout le monde. Je parle de fumeur. Non, ok. Tout le monde a ses péchés. Oui. Voilà. Si la majorité ça vient nous jouer. Il faut avoir la volonté. Quand on a la bonne, est-ce que vous voulez abandonner déjà? Est-ce que vous voulez abandonner? Ah, vous voyez? Déjà, il dit non. Il faut abandonner Christ. Parce que Dieu, il ne va pas vous séparer avec ce que vous aimez. Dieu ne force personne. Il ne force pas. Donc, si pour vous, vous ne voulez pas quitter, eh bien, vous allez demeurer là-dedans. Il ne peut rien faire. Vous êtes des hommes bien, vous êtes des gens bien. Voilà pourquoi nous sommes venus. Bien. Mais être bien, ça ne suffit pas. Il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie. Être bien, ça ne suffit pas. Il faut accepter Jésus. Tu dis, Jésus, viens dans ma vie. L'Esprit de Dieu vous visite. Ah, vous voulez peut-être confesser de votre bouche. Vous voulez confesser cela de votre bouche. Vous répétez, dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Vous pouvez répéter après moi, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. En fait, nous, on a notre prière. On fait les prières 5 fois par jour. Malgré parfois, on fait des péchés. Mais vous voyez, on fait notre prière. On sait bien. Mais vous voyez que. Notre chemin. À la fin, ce n'est que comme un cercle vicieux. On tourne en rond, on tourne en rond. Donc, vous avez du mal à dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Ça, c'est difficile pour vous d'invoquer le nom de Jésus. Je connais mon prière. Du coup, m'a montré tout. Oui. Mais laissez-nous vous dire, la vérité est que ce n'est pas là. Ce n'est pas le chemin qui mène à la vie éternelle. Allah, c'est ça, non? Allah, ils appellent ça Dieu. Allah. Bon, oui, ils invoquent Allah. C'est ça. Le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez prier, demander dans votre secret, est-ce que ces sœurs-là qui nous ont parlé, c'est vrai? Si vous êtes vraiment sincère, le Seigneur va vous dire. Parce que vous pouvez aller dormir et ne plus se réveiller. Hein? Peut-être que ça, c'est votre dernière chance. Le Seigneur, Jésus vous donne. Peut-être que c'est votre dernière chance. Parce que le lendemain ne nous appartient pas, n'est-ce pas? Beaucoup de gens dorment, ils se reviennent, ils ne se réveillent pas. Mais si aujourd'hui le Seigneur permet que vous connaissiez la vérité totale. Je pense qu'on arrivera toujours du jugement. Du jugement? Du jour du jugement. Oui. On va mais ça sera trop tous, tard. On va tous. Oui. Non, on va tous savoir. Oui, mais ça quoi. Sera trop tard. Déborah, ramasse-moi vite. C'est elle qui a laissé ça là. Oui. Tu prends que 2 parce que tu vas les perdre. Tu tiens que une main, voilà. Le jour du jugement, ça sera trop tard parce qu'il n'y aura plus de repentance, on ne pourra plus changer. Ça sera trop tard. C'est maintenant là que on parle. Ce qui veut dire que tu es déjà mort. Il y aura la vie éternelle, la parole éternelle qui est là. Et il va comparer à ce que tu as vécu sur la terre.
Et s'il voit que tout ce que tu as fait ne correspond pas à la parole, il va dire, bon, voilà, ouais, tu ne peux pas rentrer, tu vas de l'autre côté. C'est comme ça, c'est là le jeu du jugement. Il n'y aura pas de miséricorde, il n'y aura pas de pardon, non. Au moins, vous avez entendu. Amen. Ouais. Que le Seigneur, merci pour votre temps. Merci, maman. Merci pour tout, vraiment. Merci. Que le Seigneur, vous voulez aussi un pour vous garder à la maison. On ne sait jamais. Oui. Quand vous allez dans le secret, dans votre calme, essayez de méditer sur ça. Ça va vous aider. Merci. Hein. Merci. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci à vous demain. Au revoir. Je dis shalom, shalom. Shalom, messieurs. Jésus vous aime. Il a dit, aide-moi à compter mes jours. La parole de Dieu, vous êtes sûr? Alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus, 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 Jésus. Mes bien-aimés, c'est votre bien-aimée sœur Phoebe. C'est le jour de la trompette. Je m'en vais sonner la trompette dans mon quartier, dans le marché comme d'habitude. Et après, je m'en vais au centre-ville de Montpellier. C'est le jour du son de la trompette. Le jour où les chrétiens, beaucoup de chrétiens dans le monde entier sonnent la trompette aujourd'hui. Je me joins à eux. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui tient, qui est à la tête de notre cortège. Je m'en vais sonner la trompette au nom de Jésus-Christ. La trompette retentissante, la trompette retentissante, la trompette de la sainte doctrine, la trompette retentissante. Repentez, mon frère, les temps sont finis, Jésus-Christ revient bientôt. Mettez de l'ordre dans votre vie, soyez bénis. La trompette retentissante, la trompette de la sainte doctrine. La trompette retentissante, la trompette retentissante, la trompette de la repentance. La trompette retentissante, la trompette retentissante, la trompette de la sainteté, afin de rassembler pour l'avènement de Jésus-Christ. Les élus sauvés pour le ciel, les élus de Dieu, remplis, remplis du Saint-Esprit. Repentez, mes bien-aimés, les temps sont finis. Jésus-Christ est à la porte. Nous n'avons plus le temps à perdre. Mettez de l'ordre dans votre vie avant qu'il ne soit trop tard. Rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli de feu. Les croyants remplis du Saint-Esprit. Repentez, mes bien-aimés, les temps sont finis. Jésus-Christ revient bientôt. Mettez de l'ordre dans votre vie. Les croyants remplis du Saint-Esprit sont au service de Dieu. Étant ses anges envoyés pour sonner la trompette. La trompette retentissante, la trompette retentissante, la trompette de la sainte doctrine. La trompette retentissante, la trompette retentissante, la trompette de la repentance. La trompette retentissante, la trompette retentissante, la trompette de la sainteté, afin de rassembler pour l'avènement de Jésus-Christ, les élus sauvés pour le ciel, les élus de Dieu. Repentez-vous, peuple de la terre. Jésus-Christ à la porte, mes bien-aimés. Mettez de l'ordre dans votre vie avant qu'il ne soit trop tard. Que la mort ne vous surprenne pas, mes bien-aimés. Aucun pécheur ne mettra pied au ciel, je vous le dis en vérité. Jésus-Christ à la porte, mes bien-aimés. Craignez, craignez pour vos vies. Mettez de l'ordre dans votre vie, peuple de la terre. Les temps sont finis. Aucun hypocrite ne verra Dieu, je vous le dis en vérité. Abandonnez le péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Les temps sont finis. Sois béni, mon frère. Je prêche la repentance.
Jésus-Christ revient bientôt, mes bien-aimés. Mettez de l'ordre dans votre vie. Sois béni, mon fils. Soyez béni. Ah, d'accord, soyez béni. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Je vous ai donné, mon frère. Soyez béni. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Je sonne la trompette de la repentance, peuple de la terre. Bientôt, les anges vont sonner la trompette de l'enlèvement. Quel est l'état spirituel de ton âme, mon frère? Sois béni. Quel est l'état spirituel de ton âme, mon frère, ma soeur? Repentez-vous. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ ne veut qu'aucun de vous ne se perde, mes bien-aimés. Car c'est pour vous qu'il a laissé sa gloire au ciel. Il est venu donner sa vie à la croix pour que tu vives éternellement. Sois béni, mon fils. Pour que tu vives éternellement, mon frère, ma soeur. Pas pour que tu aies un enfer. Sois béni.